Salut! Allô! Taisez-vous! Quelqu'un? Ah, y'a personne. Mais oui, je suis là, mais j'écoute le son. Eh ben, je vous entends pas. Aïe! Ah, je me suis tordu la malléole de l'épaule. Mais tais-toi. Ah, mais y'a tout le monde, on peut commencer! Et c'est la première fois qu'il y a tout le monde! Donc dépêchez-vous, on a 50. Dépêchez-vous. Parlez, parlez! Bonjour. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour le Grand Prix du Mexique avec notre très cher El Catracho. Bonsoir, monsieur El Catracho. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va on bien? On passe pas les classements, on passe rien, oui. On passe directement à l'onboard et on lance la course. C'est parti. Bah oui, ce allez, soir, ce soir, c'est la fiesta. Passez. Passez allez, tout. C'est parti. Ben zut, il est où le tour du circuit? Une intro magnifique. Ah oui. Monsieur El Catracho. Réalisé par notre ami Monsieur Ziron. Monsieur Horizon. Ouais. Alors on va débarrer dans quelques instants hein, ce fameux Grand Prix que vous attendez tous, puisque la semaine dernière vous êtes venus un peu pour rien. Hein mais non, pas pour rien, on a fait une magnifique qualification. Oui. Une qualification un petit peu compressée. Un petit peu compressée. Et voilà. Magnifique. Voilà, vous êtes venu pour 20 minutes de plaisir. Ce soir, on va essayer de vous en donner 45. C'est pas gagné. 45. Et peut-être 50 avec une safety car, on va voir. Ah oui, oui, ça peut être encore plus long. Après, il n'y aura pas de pluie dans tous les cas. On reste sur une piste sèche. Exact. Donc, des spins et des safety cars pour faire durer le suspense. Et bonsoir, DJ No Life. Oui, bonsoir, DJ qui est déjà avec nous. DJ qui se battra, lui, dimanche hein, sur ce même circuit. Oui, avec les Ligas. Dont ouais. Notre très avec cher El Catracho. Avec vous, peut-être. Et vous aussi. Et bonsoir, alors, monsieur Panda. Bonsoir, monsieur Panda. Ça devrait lancer sous peu.
les enfants, alors que nous sommes en avance ce soir. Hein. J'espère en tout cas que vous avez terminé votre moussaka. Ah, et quelqu'un est parti, et quelqu'un est revenu. J'espère que vous avez terminé votre plat, en tout cas votre plat de résistance, votre fromage, votre dessert, puisque nous allons partir dans quelques instants pour donc un grand prix. Oh non, ne démarrez rien, ne démarrez rien. Je n'ai strictement rien démarré. Qu'est-ce qui vous arrive ? Ne démarrez rien ! J'ai oublié de faire la grille ! Eh bien, vous savez quoi ? Pendant que vous allez faire tranquillement la grille, je vais refaire un tour sur le classement pilote et constructeur. Vous avez le temps. Mais quel boulet, comme dit DJ. Oui. Refaites un gros point, parce que là... Un petit point sur les classements avec Linz, qui est toujours en tête avec 92 points. Juste derrière, en embuscade, on a B. Schumacher qui, après sa petite absence sur le Grand Prix de Singapour, aura à cœur de marquer de gros points ce soir pour revenir à la lutte pour le titre. Suivez derrière, quand même, c'est très serré derrière, hein, entre Maverick, 3e avec 43 points, qui a malheureusement pas fait le plein de points à Singapour et qui est absent pour cette course au Mexique. Driver, 4e, qui on l'espère retrouvera un petit peu son niveau. Il a juste gagné le Grand Prix inaugural à Monza et fait des contre-performances sur l'ensemble de 4 GP suivants. Kix, qui avait la victoire au bout de son volant, au bout de son aileron, et qui finalement a fini avec la 4e place à Singapour. Se pointe à la 5e place avec 38 points, avec un petit point d'avance sur Snake. Derrière, nous avons Yoko, Famas, qui se tiennent aussi en un point. Et derrière, on a un petit trou qui est fait avec la 9e place sur Shumachev, 25 points. Zix complète le top 10 avec 20 points. Heidrick 11e, tondeuse en remplaçant qui était d'un coup sur la 3e marche du podium à Singapour, qui avait marqué 15 points. Tatash 13e, Grinard au 14, Michelito 15, Basmo 16e, Solukortev 17, Buzzer 18 et Rossi 19, qui est la seule voiture As à avoir marqué un petit point pour l'écurie, puisque Example pointe à la dernière place avec 0 points. Au classement constructeur, Mercedes domine largement les débats. Oui, il n'y a pas de quoi, DJ. Il faut rappeler que Haas a quand même marqué un petit point. Hein. Oui, bravo. C'est important de le souligner, le petit point. Félicitations. Donc, Haas est dernier avec un petit point. Deuxième, les McLaren, 63 points. C'est serré hein, au classement constructeur entre la deuxième et troisième place. 63 points pour McLaren, 61 pour Williams, avec le duo Yoko Shumachev qui marque de gros points. Quatrième, Ferrari, avec le magnifique duo avec Shumachev, B. Schumacher et Tatash. À égalité de points avec les Renault. Les Renault de Heidrick, c'est là pour ce soir, ce sera le remplaçant Ramalocchi. Sixième, les Racing Point avec 44 points. AlphaTauri, 7e, 41. Et la petite Red Bull et l'Alfa Romeo avec 37 et 24 points. 8e et 9e. Et on va faire un petit tour du circuit avec la petite As de Romain Grosjean, du coup. Est-ce qu'on peut savoir qui a roulé ? C'est Romain Grosjean ? Il s'est pas loupé, c'est déjà pas mal. Ça va partir, les c'est enfants. Bien, quel beau tour, un tour tout loin, c'est ça. On ne le voit pas, le tour du circuit. Pour l'instant, vous ne voyez pas. Non, mais je pense que le tour du circuit, on le verra pas ce soir. Oui, et ben on le verra pas. Et bien, vous avez qu'à le voir la semaine dernière. Voilà. Il fait tout noir. Voilà. Vous aviez qu'à être là la semaine dernière pour voir le tour du circuit. Ah, il y a déjà un superbe bug, début de la saison dans 23 secondes, qu'est-ce qui se passe Eh ben c'est bien, en plus là, on est inversé, c'est n'importe quoi. C'est formidable, et vous savez qu'on a le Allez, tour, tournez la tête. C'est formidable, on a le tour à l'envers. Oui. Ah ça c'est génial. C'était la seule image que j'avais pas modifiée. Ah on est bon, ah, je peux vous dire qu'ici dans la cabine déjà la chaleur monte.
chaleur, c'est étouffant hein, d'ailleurs. Hein, avec... Petit indice, si la grille n'avait pas été refaite, eh bien c'est Grinaro qui partait en pôle. Voilà, c'est et oui, Grinaro qui a été le premier à rejoindre le serveur. C'est dommage. Qui a failli partir en pôle. On arrive dans le stadium. Oh là là, le stadium de baseball, cette magnifique équipe du Mexique. Oui, et qui est utilisé une fois tous les 4 ans, quand le Mexique joue un match de baseball. Dire jamais. C'est-à-dire jamais, voilà. C'est terminé pour le petit tour avec la AS. Tout le monde descend. Nos pilotes. C'est la fin du tour de manège. Et ben nos pilotes, pour l'instant, qui choisissent leur stratégie. Je rappelle, mesdames et messieurs, que les 10 premiers de la semaine passée doivent prendre les pneus rouges, puisqu'ils se sont qualifiés en pneus rouges. Et vous pouvez maintenant partir sur le jeu, hein, parce que je vois que vous avez remis... Oui, ça y est, je vais partir sur le jeu, et je vais surtout remettre le son dans le jeu. Et en espérant que tout fonctionne, bien sûr. Oui, bien sûr. Tout fonctionne, c'est formidable, c'est formidable. Vous avez de la chance ce soir, vous avez de la chance, hein, les astres sont alignés. Donc, et oui, la Lune est alignée avec Vénus et Pluton. Oui. Oui, Pluton que j'aimais beaucoup avant que ça disparaisse. Oui, on est bien aligné. Dans la Voie lactée. Voilà. Alors que M. Tatache est décidé à ne pas mettre... Oui, prêt, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Personne n'a plus sur prêt. Tatache n'a pas envie de lancer cette course. Tatache, alors on va l'engueuler. Alors qu'on a un magnifique commentaire de DJ qui dit qu'on ferait mieux d'attendre que le départ soit donné avant de dire que t'as de la chance. C'est pas faux. Alors, j'espère que M. Tatache, je vous rappelle, rédacteur du MAG. Rédacteur du MAG F1RS. Et c'est bon! Et c'est bon, alors est-ce qu'il y aura un fantôme aujourd'hui qui va partir avant tout le monde? Oui, aura-t-on un ZX2? Aura-t-on un ZX2? On va voir si ça va se produire. ZX d'ailleurs qui n'est pas là, hein, problème de fuite urinaire aujourd'hui. De connexion. Oui voilà, donc bon, on ne peut pas tout faire. Donc, dans quelques instants, nous allons assister donc au tour de formation de ce Grand Prix du Mexique, circuit Hermanos Rodríguez. Circuit qui était utilisé en Formule 1 il y a également quelques années et puis qui a été refait avec l'ajout de ce stadium. Parce que le dernier virage avant ressemblait un peu au dernier virage d'Indianapolis, Rome, c'est-à-dire un petit banking comme ça. Et l'ajout du stadium, c'est vrai, avec d'ailleurs le podium qui a lieu dans le stadium, c'est quand même sympathique. Oui, magnifique cérémonie au Mexique. Sous cette chaleur accablante. Miquelito disqualifié de la session. Petit contact certainement avec Famas. Ça s'est déjà tapé, ça commence bien derrière. Oui. Ouais, c'est bien. Le 9e et le 14e. On connaît les pilotes habitués à ralentir pendant le tour de formation. Est-ce que ce serait pas mal de revenir un petit peu sur la grille de départ? Oui, la grille de départ qui est fort aimable. A noter notamment une très belle qualification des Renault, Ramalocchi et Hydrix en 2e et 4e position. Oui, et Ramalocchi, c'est son premier Grand Prix. Oui, qui va avoir le caca collé au cucu, hein, comme on dit. C'est très fort pour lui. Le premier GP, ouais. Et dans le premier secteur, il y a le soleil dans la tête des pilotes, dans le casque, donc ça va peut-être être un petit peu dérangeant. Il y a des conditions un petit peu d'éclaircies comme ça, de nuages ambiants. Je vous rappelle quand même qu'on est à plus de 1800 mètres hein, d'altitude, donc peut-être que les pilotes vont également perdre leur souffle durant ce Grand Prix. À noter également. Et les moteurs également. Les 10 premiers pilotes ont repris leurs pneus et que Miquelito, qui était le seul à partir en hard la semaine dernière, est reparti en hard. Voilà. Ben oui, et c'est bien. Il a suivi sa stratégie. Bravo, Miquelito. Bravo. Et Famas a quitté le jeu. Merci à Famas. Ah non. Non, arrêtez. Non. J'ai pas vu. Il a quitté le jeu. Non, vous faites une blague. Ça, on va... Non. Le fantôme va partir avant. Ah bah, c'est bien, on va bien s'amuser. Attention. Alors, on va se mettre au milieu. Ah, il y a une belle stratégie. Regardez, deux arrêts. Ah, mais c'est sûr. On part en rouge. Sur deux arrêts, c'est sûr. Ça, c'est Madame Irma. Ça. Attention. Ça
part pas, c'est logique. C'est pas, on va attendre. Et ça part. Ça y est, c'est bon, on a un départ qui est propre, personne n'est parti en fantôme, c'est plutôt un pas mal. Un départ propre et un très mauvais départ de Béchoumarer qui s'est déjà fait bouffer par les deux Renault. Et derrière, ça zigzague à qui mieux mieux. On essaie de se frayer un chemin. Oula, il y a... Ouh, elle a pas freiné, hein, Linz qui a pas freiné du tout. Béchoumarer dans on le sable. On a fait un 4 de front au premier virage. Et c'est Béchoumarer qui en a payé les pots cassés. Ouais, et il y en a deux d'ailleurs qui ont coupé parce qu'ils ne pouvaient pas tourner. T'attaque déjà derrière pour le pauvre Michelito qui se retrouve dans la panade avec Sepneuhard. Avec Linz également qui est parti en tête à queue. Bah, Linz et Béchoumarer, catastrophe de début de course là, et du coup ça a permis à Famas de remonter. Gagnon également, Tatache et 6ème, c'est incroyable. Tatache, Gagnon qui ont fait une remontée spectaculaire. Hein. Ouais, et très beau ils départ. Ils ont réussi à éviter les embûches. Et Tatache qui se retrouve le premier en de médium pour l'instant, c'est déjà parti large derrière pour Tatache, attention. Dans les S, et pour l'instant devant ça tient Kix, Heidrix, Rabat qui a perdu la deuxième place, mais c'est pas très grave. Et ça sort large dans les S comme c'était prévu. Famas qui est au ralenti sur le côté, Yoko du coup qui réussit. Parce que Famas a des dégâts. Il a l'air quand même en difficulté. Et ça tente de se dépasser dans oh, le et Tatache, stadium. Il a fait Tatache une erreur au stadium. Oh, ça glisse. Il repasse, oh là là, avec celui Cortef. Celui Cortef, ouais, il y a de la chance. Heureusement qu'il a ralenti. Petit contact là. Et Driver qui remonte du coup à la 9ème place, hein, du coup, qui fait la belle opération aussi de ce début de course. Et qui va se faire manger, c'est Choumachev, regardez. Il est plus lent en ligne droite, Choumachev, 310 km/h et il n'utilise pas le RS. Et ça zigzag devant, oh là, zigzag, c'est pas bon ça. Les petits drivers. C'est pas bon, driver. Ça, c'est la suspension. Oh, Yoko, c'est le volant qui est pas bien branché. Oui, le volant branlant, c'est comme l'aileron. C'est le volant qui branle, oui. C'est le volant alors qui branle. On a le top 5 qui s'envole, hein, avec Kix, Heidrix, Ramaloki, Snake, Buzzer. Et résultat, on a quand même le leader du championnat qui est au stand et qui repart dernier. Oh, Linz, oui, c'est certainement eu quelques petits dégâts. Et Linz, il va falloir cravacher pour remonter dans les points. Et prier pour une safety car. Pas bon non plus. Ouais. Et Michelito, c'est du pas coup, bon. Ouais, c'est dommage, hein, qui était parti sur les hards et finalement qui se retrouve en 17ème position. Et Tatache qui commence à être en difficulté, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les pneus médiums ne chaufferaient pas assez vite? Oui, avec la pression du Yoko, il faut le temps aussi que les pneus se mettent en température. Il a des pilotes derrière, tous les pilotes autour de lui sont en rouge. Il faut qu'il arrive à chauffer ses pneus jaunes. Driver et Choumachev ont gagné 8 places chacun, c'est hallucinant. Oui, très 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 belle opération. Ouh, Gadelon, meilleur tour, Driver qui pique derrière. Oh là là, devant, oui, ça se... Regardez devant, entre les deux premiers, entre Kix et Heidrix. Ouh, et Lindström qui est parti malheureusement. Il y reste prudent, Heidrix. Il vaut mieux qu'il fasse d'abord le trou sur Snake, l'enlever du DRS avant d'attaquer Kix. Ce sera un petit peu plus logique alors que Tatache perd une position sur Yoko. Et Ramaloki qui a reperdu une position puisqu'il a perdu la place provisoire sur le podium qui s'est fait dépasser par l'arrêt de magnifique caméra. On a le cul de Driver. qui entame sa remontée. Hein. Driver, 7ème place. Ah bah Driver, il a plus le choix après quelques courses ratées, comme on dit dans le jargon, et eh bien il va falloir essayer de remonter les points, d'autant que le leader et eh bien son équipier est bon dernier pour l'instant. Et s'il restait là, il n'en marquerait aucun. En plus il a de la chance puisque Linz également est en dehors des points et Béchoumarer également. Béchoumarer aussi. Béchoumarer qui n'a pas l'air d'avoir de dégâts. Oulala, Choumachev qui a déjà coupé. Oh, Tatache qui continue à perdre des places encore. Il est en difficulté à chaque fois dans le stadium, Tatache, à chaque fois. Oui, et qui c'est qui revient derrière Béchoumarer parce qu'il a pas envie de perdre du temps. Alors il va essayer de remonter rapidement, je pense. Et Ramaloki qui reste encore dans l'aspiration de Snake. C'est pour l'instant Buzzer qui s'est fait légèrement distancer. Et Driver sur Gagnon en premier virage. Non, il se remet derrière. Faut qu'il soit patient, Driver. Il faut qu'il arrive à dépasser Gagnon. Oh, il va y aller, derrière. Oui, ça y est. Il va y aller. Gagnon, en plus, il n'a pas le DRS. Du coup, il n'a plus de RS non plus. Il n'a plus rien, Gagnon. Et maintenant, surtout, Driver va avoir le champ libre pour revenir sur les 5 premiers. C'est ça qui est important, d'avoir une piste libre. Béchoumarer avec Tatache. Ouais. Bon, là, normalement, il devrait pas le bloquer. Voyons si les rouges vont s'entendre. Ah, pas pour l'instant, c'est peut-être ici. Ah bah non. Oui, de toute façon il va pas avoir le choix à mon avis. Non.
Non, non, il a pas envie, Ouais, Tatashi, il fait sa course. Il fait sa course, mais pour l'instant, il l'a fait en dehors des virages. Ah oui, bah... Oh là là, mais Schumacher fait... aussi. Ah bah tant qu'on est, on y va. Il fait la course à sa manière, et du coup, je peux pas switcher entre les pilotes, ça va être sympa. Et du coup, attention, ah, ça y est, ils se sont touchés. Oh, oh, oh là là, où Benitez est attaché derrière, qui touche celui Cortez. Il a perdu un bout. Ouais. Il a perdu un bout et on se retrouve... Alors c'est Tatashi, à mon avis, qui a perdu un bout, il reste en piste. Okay. Et alors qu'est-ce qui s'est passé entre c'est la bataille entre Kix et Hydrix, là. Ça repart de... Ouais, mais oui, mais regardez derrière, ils sont tous revenus, Kix, oui. Il fait bouchon, hein. Et du coup, tout le monde revient, et Hydrix, là, il va passer au DRS. Et Buzzer, quel début de course également. Il va y aller. Le pilote Renault sur la Force India, je vais dire, sur la Racing Point. Et ça passe. C'est passé derrière, il faut rester prudent, il faut pas casser un bout d'aileron maintenant. Snake peut-être à l'épingle, non, il ralentit. Et derrière, c'est un petit peu le train-train. Et Kix, il est en difficulté avec ses pneus rouges, ça va pas, hein. Et bonsoir à Zix, sur le chat. Bonsoir. Pauvre Zix qui ne peut être là ce soir. Problème de fuite. Futurinaire. Les deux Williams sont encore dans les points. Alors. On sait généralement que chez Williams, s'il y a un abandon et un pilote qui finit dans les points, ce serait bien que les deux terminent dans les points ce soir. Driver est revenu au contact du top 5 et de Buzzer. Voyons s'il est capable de tout de suite dépasser Buzzer dans la ligne droite. Ouais, sachant mais Buzzer qu'ils vont tous avoir le DRS, hein, donc ça va être compliqué dans tous les cas. Buzzer a également le DRS et il a plus de DRS que Driver. Et du coup, Buzzer remonte sur Rama Loki, qui ne remonte pas par contre sur Snake. Parce que Rama n'a pas... Passe sur Rama Loki en coupant Buzzer qui passe et Driver aussi. Et Driver qui passe également. Rama Loki qui se retrouve 6ème, il faut qu'il reste en contact, hein, c'est tout. Et il y retourne, Driver, il y retourne avec le DRS. Il y retourne, il est plus rapide. Il est plus rapide que Buzzer et devant, c'est pareil. Snake qui passe Kix. Snake qui passe sur Kix, c'est Kix qui faisait bouchon depuis le début. Oh là, Kix, catastrophe, regardez, il ne tourne plus. Tour sur Buzzer, à mon avis, ses pneus sont en train de vif. Hamas nous fait un petit au revoir. Ouais, et Rama Loki qui est en catastrophe complète. Oh, il a touché! Driver, il a touché! Il est attaqué au milieu du circuit! Driver qui a touché la voiture de Kix. Allez, Driver, doucement, doucement. Allez, t'as le temps. Et Driver qui a perdu là encore. C'est dommage, il faisait une remontée exceptionnelle et il se retrouve maintenant derrière Schumacher. Mais entre les deux, Williams, Motoris, Mercedes. Oui, entre Schumacher et Yo. J'ai peur que les pneus aient pris un peu un gros coup, alors que Ganelon il va sur Rama Loki également par l'extérieur. Oui, dans le stadium, ça dépassement. Rama Loki. Ah oui. Et Exemple est revenu au contact. Hein. Ganelon, Rama Loki sont revenus sur. C'est Ganelon et Exemple. Exemple qui fait une belle course pour les As. 7ème place. Et c'est la dernière où il faisait une belle course avant d'abandonner dans les derniers tours. Oui, tout à fait. Mais il faisait une très bonne qualification également. Et puis il s'est fait surprendre par un Tech Pro et a perdu sa roue. Ce qui a avorté sa qualification. Ouais. Il faisait une très bonne qualif également. Et Rama Loki qui repasse Ganelon grâce au DRS et maintenant à l'attaque de Buzzer. Mais alors tous ces pilotes pour l'instant se cherchent. Mais attention, il ne faudrait pas trop user les pneus dans les batailles. Donc on a quand même trois pilotes qui se détachent maintenant, Hydrix, Snake et Kix. A noter aussi qu'Hydrix est pas loin de mettre une seconde à Snake et de s'assurer tranquillement une ligne droite sans DRS. Et je sais pas si vous l'avez vu, il y a Horizon qui s'est resub. C'est super, moi j'ai pas vu de petite notification. Eh bien merci monsieur. Oh mais je m'arrête en 3 secondes. Merci monsieur Horizon. Bien aimable. Oh, il va y aller peut-être Driver sur Yoko dans la dernière zone de DRS qui ne sert pas à grand chose, mais là elle aura servi à quelque chose du coup avant l'entrée du stadium. Dépassement par l'extérieur du pilote Mercedes qui repasse Yoko et qui, je pense, Driver, un petit peu moi, était devant, tapé dans ses pneus. Ouais, mais il est repassé, ça veut dire que Yoko est passé devant. À mon avis, il va pas tarder à rentrer au stand après son spin quand même. Driver, les pneus rouges vont pas tenir 10 tours. Hein. Et ça rentre au centre de Schumacher. Au puits. Voyons sur quelle stratégie. On part sur les jaunes. C'est parti pour faire deux arrêts pour Schumacher. Les jaunes n'iront pas au bout. Oh, ça change quoi? Ça change l'aileron également? Non, c'est moi qui bug. Ok. Ok. Non, mais c'est l'aileron. Je sais pas. Il a changé l'aileron? C'était long hein, comme arrêt.
Quoique. Vérifions ça. Oui, aileron que... avant, oui. Beschumacher, Famas oui, également avait changé l'aileron et Linz aussi. Donc les trois ont changé l'aileron. Oui, si il sort là à l'instant. Ouais, il a changé l'aileron. Mais donc je pense qu'il y a eu perte d'ailette, pas au premier contact, mais au deuxième contact quand il est parti en traviole. Oui, je pense que c'était avec Tatache. Allez, Grumble qui prend un peu l'inge, en tous les cas, la sortie des S, on redessine un peu la piste. Ce serait quand même bien triste entre les deux Ferrari, oui, parce qu'il y a eu une grosse incompréhension. C'est dommage, oui, je pense que les deux pilotes se sont pas compris, du coup, dans la zone du stadium. Et regardez, c'est assez intéressant, puisque Hydrix ne s'envole pas sur Snake. Snake reste quand même à distance correcte. C'est Kix qui perd un petit peu, par contre, hein, et qui voit le retour de Ramalouki. Ouh, ça, il va derrière avec le camelon sur Buzzer qui récupère son dû. Example qui guette derrière une erreur alors que le soleil frappe toujours le casque dans ce premier secteur. Alors qu'il y a une voiture complètement à l'extérieur. C'est Green Arrow, je crois, qui est dans le mur. Ouais, le pauvre Green Arrow, il a cassé en plus un bout. On a Tatache au stand déjà sur les M qui ont 8 tours pour mettre des hards. Ça aurait pu... Ouh là là, il a ralenti, Green Arrow, faut rentrer. Non, il rentre pas si pour remplacer l'aileron ici parce que. Il a tapé dans le stadium. Le Schumacher qui repasse du coup 14ème. Mais quelle course devant, c'est tellement serré! Et attention parce qu'il y a Snake qui est au contact hein, dans les S. Sur Hydrix, il est revenu au contact. Il a dû faire une erreur, le pilote Renault. Alors me dit-on dans l'oreillette qu'il ne faut pas trop se coller dans les S, risque de déventer. Oh bah oui, dans tous les cas. Et il y a Provençal qui est parmi nous sur le chat. Oh mon dieu. Bonsoir. Bonsoir monsieur le manager. J'espère que vous avez vu cette magnifique manœuvre entre vos deux pilotes de Liga. De Ligue B, pardon. Oui, ouais, faudra leur remonter les bretelles. Mais je crois que votre manager était occupé à capturer le Ponita. Alors que Snake... Alors Snake dans la ligne droite, ERS et DRS. Ah, il y va, il essaie de se mettre derrière. Il a un peu plus de RS à Hydrix. Il peut peut-être l'utiliser pour la deuxième zone, je ne sais pas. À mon avis, il va attendre. Il va faire une course intelligente à Hydrix. Il faut qu'il économise son DRS. Et Buzzer au puits. Ah non, mais il a pas le DRS. C'est vrai que quand on l'a au début, on l'a également Bah Snake a le DRS pour les deux premières zones de DRS. Je trouve ça un petit peu étrange. Mais... Et Buzzer au puits qui ressort devant Beschumacher. Donc très belle opération finalement. Qui ressort même bien devant. Ça va. Kix en difficulté. Ah mais depuis le début de la course, contact, je sais pas, les pneus ne chauffent pas. C'est ça, je pense qu'il est un peu moins en rythme que ce qu'il a pu avoir lors des qualifications dimanche dernier. Là, il est un petit peu, il a du mal à suivre le rythme de Snake et d'Hydrix. Et là, du coup, il va avoir la deuxième Renault dans sa boîte de vitesse à la sortie du stadium et avec la longue ligne droite, à mon avis, il va pas faire long feu. Ce qui est bien avec Ramalouki, c'est que ça a beau être sa première course chez nous, et bien il n'a pas l'air d'avoir tant de pression que ça. Ouais. Et le leader s'arrête au stand, Snake au stand, qui laisse la fenêtre de toute façon des stands pour la stratégie numéro 1 est ouverte, même pour la numéro 2 d'ailleurs, pour les hards, mais... Dans tous les cas, on part sur une stratégie à deux arrêts pour tout le monde avec les rouges. Yoko qui prend 5 secondes dans la voie des stands. Coup dur et pour le pilote du coup qui remonte. Driver au stand, Yoko sur les cortef. Yoko en hard. Oui. Ah, pour aller au comme bout certainement. Hein, comme Tatache. Et regardez du coup Driver, il va ressortir juste derrière Buzzer. Et Yoko dans derrière Beschumacher. Après c'est pas si mal hein, pour Driver du coup, puisque Buzzer fait partie des pilotes qui étaient dans le top 5 il me semble. Oui. Avant son arrêt au stand. Le driver a récupéré du temps sur la piste. Exactement, il va pouvoir faire, à mon avis, au jeu des arrêts, peut-être une bonne opération. Example qui devient pressant sur Gadelon. Donc Kix a déjà pris quasiment 2 secondes de retard sur Ramalouki en l'espace d'un tour. Hein. À mon avis, pour Kix, il doit avoir les pneus à l'agonie. Il va s'arrêter. Allez, ça y est. Il s'arrête, Kix, Hydrix s'est arrêté aussi, donc il ne reste plus que Rama sur la piste, Gadelon s'arrête, Example s'arrête. Tout le monde s'arrête. Ramalouki qui va faire tenir ses pneus un tour de plus et avoir des pneus un peu plus frais pour la fin de course. Il a remis les rouges à Hydrix.
stratégie très agressive. Ouais, il est reparti du coup pour finir avec des pneus un peu plus durs, avec des jaunes. Et Snake aussi a remis les rouges puisqu'il ressort devant. Kix également, exemple là. Tout le monde a remis les rouges. Tout le monde a remis les rouges. Ah oui, dans le top 8, là, tout le monde a remis des rouges, à part Driver qui est sorti avec des jaunes, hein, du coup. S'il arrive à accrocher le wagon, il peut faire une bonne opération. Pas arrêté non plus. Limjam qui est quatrième, et après ses problèmes de début de course, il a réussi à faire tenir ses pneus pour l'instant. Ouh, là, 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 ça part. Entre Buzzer, Schumacher, oui. Oh! Du coup, Buzzer a été obligé de prendre très très large sur le dépassement de Schumacher. Schumacher qui lui a complètement fermé la porte. Mais il a fait un petit peu une défense un peu agressive, mais ça restait propre. Oh là, puis alors devant, il y a Limjam. Oh là là, mais regardez Limjam qui n'avance plus. Oh, il requitte la session. C'est pas possible. Ah, mais c'est pour ça qu'il n'avance plus. Ah, bah décidément, ça ne va pas pour le nouveau pilote. Il va falloir revoir quelque chose dans la copie. Alors qu'on a Ganelon dans les S. ERS à fond, je ne sais pas s'il est bloqué en ERS 3, ouais, mais c'est vide. Mais je ne sais pas. Et en tout cas, regardez, Rama est au stand. Et Rama, il a fait un très bon arrêt. Très très bon arrêt. Il va repartir juste derrière. Kix va être loin, à mon avis. Ouais, il va repartir. Ah non, il a quand même fait, à mon avis, il a fait un dernier tour un petit peu lent. Mais ça va, il repart largement devant. Ça va. Et derrière, attention, il y a Ganelon sur Example avec le DRS, mais il a plus de RS. Non, il y va. Mais il y va, attention. Il se laisse pas faire, Example, c'est pas mal. C'est bien joué. Mais il aura encore le DRS, Ganelon, du coup, il a peut-être bien fait de rester derrière. Là, ça va être délicat quand même. Ouh, petit changement de trajectoire, du coup, pour Example. Ouais, en tactique, quoi, il en a fait qu'une. Il reste derrière. Le droit, mais... Oui, tout à fait. Et il reste derrière. Et Driver, regardez, il est là, hein, Driver. Et il guette le petit Driver. Déjà 13ème tour, on a fait un tiers, c'est ça, un tiers de la course? Non, je sais pas compter. Bah oui, on a fait déjà 13 tours, on a déjà fait un tiers de la course, un petit peu plus. Un petit peu plus, formidable. Est-ce que vous arrivez à voir les écarts entre les pilotes? Non. Non, ça bug. Okay. Allez, ça marche. Je l'ai caché. C'est formidable. On va faire avec la map. Formidable. Ah ouais, ça va être très pratique cette affaire encore, je vous le dis. Aydrix qui fait le meilleur temps. Et Aydrix aux fesses de sur Snake. Tout à fait. Et il a 18 km/h de plus. On a dit qu'on avait dépassé le tiers de la course. Oui, je ne sais plus ce qu'on a dit. 13 x 3, 39. Mais oui, je ne sais pas DJ, compter. 13 x 3, ouais. Mais oui, mais... Enfin... Ganelon, il a passé Example. Au 12e Example, tour, était... Example qui a encore défendu, mais qui a dû rester derrière. Par contre, il n'est pas si mal ressorti que ça. Mais Example devrait peut-être utiliser son DRS, non? Il est à 90%. Ben c'est bien, il fait de l'économie. Oui, mais il ne l'utilise pas. Il faudrait peut-être Driver, un peu se défendre. Il a oublié la chicane, Driver. Oui, bon. Vous voulez voir un petit peu le rythme de Driver par rapport à Example également? Je pense qu'il devrait pouvoir les passer... aisément, même avec des pneus jaunes. Bon, je vais arrêter de regarder les pilotes dans les S parce que je... Okay, ça dépasse les vibreurs. Aydrix qui va être collé à Snake sur la ligne droite et résultat avec le DRS. Il met pas le RS à 3, ah, si c'est bon. Il a mis le RS à 3, Snake le remet à 1 parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Il va peut-être y aller, Aydrix. Il est plus rapide, il choisit sa trajectoire, le pilote Renault. Et ça passe pas encore. Non, Snake, il est là, il est toujours là. Il a fait, il a bien enroulé à l'extérieur. Il a maintenu sa position. Par contre là, Aydrix, du coup, deuxième zone de DRS. Ligne extérieure, ligne intérieure pour Snake. Voyons ce que ça va donner. Il défend pas avec son DRS. Et non, Snake, qui est obligé de céder sa place. De toute façon, il n'a pas utilisé le RS pour se défendre. Donc, il allait forcément se faire manger tout cru. Aydrix qui reprend la tête. C'est pas fini. Grand Prix, c'est pas fini, mais derrière non plus c'est pas fini, parce qu'Example Ganelon ça s'arrête plus, et Driver... Example qui n'arrive pas à passer, du coup ça fait bouchon avec Driver derrière, attention, faut que le Driver reste patient.
Mais par contre, Draeva, faut pas qu'il attaque comme un forcené, sinon il va user ses pneus blancs. Ses pneus jaunes. Ses pneus jaunes, ouais, à rester derrière, ouais, c'est sûr. Et attention, il faut pas trop coller. Parce qu'il a, il est censé avoir un avantage quand même sur ceux qui sont devant. Ouais. Il peut même leur laisser un petit peu de champ libre, hein, et puis profiter, oui. On sait jamais, d'un petit accrochage ou. Exact. De la bataille entre les deux pilotes. Exemple, ouais, qui est quand même assez agressif, on voit, hein, les vibreurs, il aime ça. On a Linz 13ème avec 12 tours sur ses jeunes, qui va bientôt rentrer dans la zone de DRS de Yoko. Par contre, c'est la catastrophe pour les deux alphas, hein, qui sont 17 et 18. Ouais, une course difficile du coup pour les alphas. Oh, driver, même si Exemple a le DRS, il se remet derrière. Il va rester derrière. Il s'est rangé derrière là. Il s'est rangé, mais Exemple, il a tellement des trajectoires étranges. Que... mais oui, mais attention. En fait, il est gêné. En fait, Exemple est gêné par la bataille avec Diamnon. Ah oui, Driver, non, pas encore. Il faut pas qu'il tente le Diamnon. Mais ça freine. Je ne sais pas. J'ai l'impression que Exemple n'arrive pas à déterminer la distance de freinage de Ganelon. Ce qui fait qu'il freine un petit peu en tapotant sur la pédale. Ouais. Et on a l'impression que c'est un peu au feeling, quoi. Alors, il fait ce qu'il peut. Et Ganelon, en tout cas pour l'instant, qui ne fait pas de manœuvre de défense illégale. Et Driver, il va retourner. Attention, Driver, il va y aller. Il faut y aller. Il faut y aller, Driver. Allez. À l'entrée du stadium. Il se touche à l'entrée du stadium. Exemple qui voulait vraiment pas laisser sa place. Hein. Oui, oh, oui, Driver. Exemple, il va récupérer le DRS. Oui, et je pense que Driver va l'avoir aussi sur Ganelon. Ah, possible, on va voir. Ah, il a pas l... si, il va l'avoir. Il DRS pour les deux. Il n'utilise pas son DRS, Exemple. C'est peut-être un problème sur la AS. Hein. Il n'utilise pas le RS. Peut-être que les techniciens chez AS ont oublié de paramétrer le bouton. Il n'y a pas assez de puissance sur la voiture. Et c'est pas une question de motorisation. Hein. Non. Et c'est vrai que là, par contre, les Ferrari sont un petit peu en délicatesse. Parce que Tatache était bien parti, il se retrouve 15ème. Et Béchoum, qui était mal parti, bon, il remonte un petit peu. Mais il est remonté dans les points. 8 tours sur les... Il a des pneus plus vieux que tous ceux qui sont. S'est détaché un petit peu de Snake. Ramalouki en chasse-patate. DJ nous dit la Matmut a pas voulu réparer. Ah. Oulala, il y va en tout exemple. Ça rattaque et Driver, ça rattaque encore sur Ganelon. Pas tout de suite, il faut attendre la grande ligne droite. Mais Driver, je pense qu'il lui fait peur. Il a pas du tout de RS1 par contre, hein, Driver. Caput. Mais Exemple, quand même, ne se fait pas distancer. Mais s'il utilisait le RS. Ah, bah oui, il serait encore plus proche. Ce serait mieux quand même. Et Bigou, tu nous dis par contre les cuts. Ah, bah ils ont droit. Ah, bah oui. Ouais. Bah, là, sur le stadium, il a bien fait parce qu'à mon avis, il ne passait pas à deux. Oui, il passait pas à deux et Driver y va du coup. Et oui. Il s'est bien rabattu. C'est très bien. C'est très bien. Joli dépassement. Ganelon n'a pas trop défendu. Mais Ganelon, il a le RS de bloqué, hein, à mon avis. Hein. Alors, entre Ganelon qui est bloqué et Exemple qui n'utilise pas, on est bien. On est bien. Il a pas envie Ganelon, enfin Exemple de l'utiliser et Ganelon. Ouais. Mais non, Ganelon n'est pas bloqué, il est en 1. Ah ben d'accord, mais c'est moi qui ai un petit bug. Il est repassé en 1. Il est repassé en 1. Ah oui, ouais, d'accord, ouais. Ok, ouais, c'est son utilisateur. D'accord, ok, ouais, il l'utilise. Et Kix ne l'utilise plus par contre. Alors Kix là, c'est économie totale. Hein. Ah, il fait de l'éco, bah oui. Ah, il a peut-être peur de la bataille avec Driver qui va revenir peut-être, hein, du coup, avec ses pneus jaunes. Et regardez le leader du championnat, il a 15 tours sur ses médiums. C'est le retour des intervalles, si vous voulez, vous pouvez revoir les intervalles. C'est pas terrible pour Linz, malheureusement, là il a... Ouais, malheureusement là, pour Linz, c'est un GP compliqué. Il a pas récupéré assez de temps et il va être en difficulté. Et il n'arrive pas à se débarrasser de Yoko également, il est toujours à une seconde derrière lui depuis quelques tours. Alors, est-ce que... Qui c'est qui sort des puits, là? Personne. C'est une Williams. La Williams de Schumacher peut-être. Oui, c'est ça. Non, il sort pas du puits. Il était. Non. Alors c'est pas moi. Alors j'ai vu un fantôme. C'est moi qui ai vu un fantôme alors. Oui, certainement.
Non, c'est Lins qui rentre dans les stands, du coup. Après 15 tours sur les jeunes. Il faut remettre les jeunes pour aller au bout. Et oui, c'est bien joué. Nickel. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de safety car, il n'y a pas de VSC. Pour l'instant, personne ne gagne rien à s'arrêter. Hein. Et ouais. Bah, c'est ballot. Bah oui, non, mais on aura peut-être une VSC quand on rentrera au stand. Et ceux qui ont eu un incident au début, ça ne sait pas. Malheureusement. Malheureux. Et Lins, voilà, qui repère la place sur Fabas et qui ressort 16ème pour aller au bout avec ses médiums. Et je pense pas qu'il fera bien mieux à moins d'une safety car. Et on sait que quand on l'appelle, généralement, elle arrive. Et Snake est revenu sur Hydrix. Peut-être pas à moins d'une seconde. La bataille continue, DRS. Ah si, c'est bien ce que je disais, il y a quelqu'un qui est parti. Ah bah non, c'est Lijam encore. Non. Oui, Lijam a quitté la session, mais personne n'était rentré au stand. Hein. Personne n'a changé de pneu. Hein. Non, mais c'est pas possible, tout le monde est en moins avec 6 tours sur les pneus. T'attaches tête à queue. Secteur 2. Ah qui va perdre excusez-moi, c'est une Alfa Romeo, c'est Green Arrow qui est en fantôme. Green Arrow ou alors. Ah, Green Arrow fantôme, non. Enfin, Green Arrow vient de prendre un tour surtout. Ah oui, donc il est pas forcément en enfin, dehors de en fait, oui, ça le met en fantôme parce que. Voilà. Eh bien, ça le met en fantôme parce que il est à un tour. Allez, Lijam qui rejoint à nouveau et on a toujours la bataille entre Driver, Gannon, Example. Ils c'est se lâchent automatique, pas, les trois, monsieur. Hein. Ouais. Ah oui. C'est automatique, monsieur. Tout à fait. Merci. Gannon et Gannon qui restent à portée de Driver. Et Example également. Et les restent dans les échappements. Et puis les intervalles ont redisparu. Ah oui, oh là là. Bon, la Batmute, elle assure. Ouais. Et les intervalles aussi. Oh, ça rentre au puits, les deux premiers, du coup ils rentrent. Ouh, je pense qu'il faut. Oh, il y a Tatache qui est à l'arrêt, mais qu'est-ce qu'il fait Tatache à l'arrêt pour le... Il a voulu rentrer au stand, il arrache le plomb. Il arrache le polystyrène. Ouh, lol. Il a arraché le polystyrène et je pense que Snake voulait pas s'arrêter. Et quand il a vu que Hendrix s'est arrêté, eh ben il s'est engouffré dans la voie. Et quand Tatache a vu les deux arriver, il s'est arrêté parce que ça aurait pu faire un carton plein. Comme au bingo. Oh là là. Et donc, eh bien, le pauvre Tatache qui va repartir juste dernier. Derrière, mais Schumacher va s'intercaler entre les deux. Oh, c'est horrible. Ah, ça, par contre, c'est horrible. Oh non, quelle horreur. Ah, ça, par contre, c'est horrible parce que Schumacher, il va faire le jeu Snake, de Hydrix. Ah, oui. Ouais. Eh ben oui, Snake, du coup, va perdre beaucoup de temps. À part s'il arrive à s'en débarrasser rapidement, mais faut monter les pneus en température. Hein, pour les deux qui sont repartis, du coup, en jaune et qui vont aller au bout avec les jaunes, Hydrix et Snake. Ouais. Et Lins 14e sur Lijam, est-ce qu'il va réussir à dépasser du coup. 15 tours encore à boucler ici à Mexico City, un circuit situé sur les hauteurs de la ville. Il a du mal, hein, je trouve, Lins. Exemple sur Gannon, il a envie d'y aller, hein. Il n'y va pas, mais il a envie. Il a envie, et Driver qui a pris une petite marge devant. Il faut qu'il attaque hein, maintenant avec ses pneus médium. On a quelqu'un qui rentre au stand. Ouais. C'est la deuxième Red Bull. La Red Bull de Gannon après celle de Snake. Oh. Non, la limitation de vitesse au stand est à 80 km/h. Il est rentré à 40. Alors je pense qu'il avait vraiment peur de prendre une pénalité. Là c'était. Schumacher va passer. Il a mis un petit temps d'arrêt. Et oui, Schumacher, de toute façon, qu'il va redevoir s'arrêter là. Qui va devoir se réarrêter, pardon, je ne sais plus parler. Béchumarin, 13 tours, oui, à mon avis, il va être obligé de faire un pit encore. Tatache également, hein, qui est reparti sur les rouges, il faut qu'il fasse encore 14 tours, ça va être. Et deux Ferrari sont encore l'une derrière l'autre, mais pas dans le même tour, du coup. Oui, un petit tour de décalage. De décalage. Snake, Hydrix, Schumacher. Alors, Schumacher finalement est derrière, oui. Et Snake remonte à Hydrix. Snake est, à mon avis, à moins d'une seconde. Il est revenu sur Hydrix. Mais la chose que Snake ne sait pas, mon cher Riak, eh bien, c'est que Hydrix a économisé le RS et est à quasiment 100%. Ah oui, oula, alors que du côté de Snake, on est à 35%. Mais on est dans le DRS. On est dans le DRS, en effet. Donc ça peut quand même bouger. Hein. Tout dépend les réglages aérodynamiques que le pilote Red Bull a choisi de mettre avant le Grand Prix. Et soit il le passe, soit il essaie de le passer le plus vite possible, soit il est patient, il économise un peu le RS et il le passera le plus tard possible.
et ça rentre devant, tout le monde est rentré sauf Driver, forcément. Sauf Driver qui rentre pas, qui va faire quelques petits tours en tête. Devant Hydrix et Snake qui sont provisoirement premier et deuxième, à savoir dans quel ordre à la fin de ce GP qui s'annonce absolument passionnant. Bataille alors, entre les deux. Je ne sais pas s'il peut y avoir contact dans les stands, mais il y a eu une espèce de chassée croisée entre Example et Kix. J'ai cru qu'un mécanicien allait voler avec la sucette. Ah, d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on peut regarder. Attention, Ganelon ! Ganelon, celui Cortef, ça va se battre dans le premier virage. Est-ce que Ganelon va ressortir devant Example ? Oui, il est devant, mais Example, il se retrouve dans la bataille. Ah, et oui, celui Cortef est au milieu. Oh, il a fait une touche ! Attention, ils se sont... Ah oui, Example, là, du coup, qui est à l'extérieur pour le prochain virage. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est celui bon, Cortef qui s'efface. Example va rester devant. Je pensais qu'il allait lui faire les freins, mais non. Il reste derrière sagement, Solucortef avec des pneus usés. Usés, Rama, donc il s'est arrêté à ce tour-là. Snake qui a perdu 2 dixièmes sur Hydrix. Et Driver est à combien? 4 secondes. Ouais, il est légèrement devant Driver. Il va continuer, j'espère, quelques tours, voir s'il peut creuser un petit peu. Pour rentrer dans le top 10. Est-ce que je peux donner une information politique? Allons-y. Que je viens de recevoir. Eh bien, on m'annonce que Joe Biden est officiellement gagnant avec 306 voix. 306 grands électeurs, voilà. Une bonne nouvelle. Et c'est Béchumarov qui rentre au stand. Oui. Et qui va repartir. Alors, sur qu'est-ce qu'il va faire Béchumarov? Bah, les jaunes, forcément. Mais je rappelle que Béchumarov a 3 secondes de pénalité. Ah bon? Oui. Et Choumachev aussi. Donc il va falloir les décompter à la fin. Virage coupé? Virage coupé. Ah. Oh mon dieu, oh là. Et on peut avoir des pénalités en normal. Ouais. Là, oui, ça peut arriver et ça m'est arrivé. Donc... Oui. Après, il faut avoir envie de monter sur les vibreurs. Hein. Faut avoir envie. Et puis il y en a qui aiment bien monter. Attention, Yoko, la réaction. Sur les vibreurs. On se décolle toujours aux fesses de Ganelon. Devant Yoko. Et Hydrix qui a repris 6 dixièmes en un tour à Driver. Alors, le temps de faire chauffer les pneus médium. Les médiums! On a Yoko du coup avec les hards qui va certainement aller au bout. Il faut qu'il arrive à garder le rythme de Choumachev qui est avec des pneus jaunes tout frais pour essayer de remonter sur celui Cortef. Et c'est très étrange, pour une fois les Williams n'ont pas la même stratégie parce que d'habitude les stratégies sont formidables. Oui. Et là ils ont fait une strat un peu décalée. Et peut-être que les deux vont enfin réussir à être dans les points ensemble. Hydrix qui a repris encore 5 dixièmes en un secteur à Driver. Driver qui commence à accuser le coup avec les pneus à 13 tours là. Et puis il y a Snake qui est toujours qui a toujours Hydrix à portée de tir, hein. Il le lâche pas, hein. Bon, il est sorti de la zone DRS, il a plus d'une seconde. Il est toujours très pressant sur le pilote Renault. Est-ce que Snake peut espérer une bataille à Hydrix Driver? Est-ce que Driver va tenter de ralentir ou de faire user les pneus de ses concurrents derrière? Je pense pas que Hydrix revienne d'ici un ou deux tours sur Driver. Et Driver va s'arrêter avant qu'il y ait bataille, à mon avis. C'est possible, c'est possible. Regardez quelle bataille entre le 6, 7, 8 là! Ça se bat quand même pour des gros points! Ouais, Buzzer, Ganelon, Example. Et Ganelon qui est bien mieux ressorti que Buzzer, mais dépassé dans les S, il faut avoir envie. Le seul problème, c'est que Buzzer a des pneus. À mon avis, à la limite, avec 14 tours sur les jaunes, et il a gagné un exemple derrière avec des pneus tout frais. Oh, Driver au stand! On n'aura pas et de voilà, bataille. Et pas voilà, pas de bataille. Driver, voyons où va ressortir Driver du coup après cet arrêt. Alors, et il va finir sur les rouges. Ouh là, il va faire 10 tours sur les rouges, j'espère que ça va bien se passer. Mais c'est très très important là ce qui se passe, parce que Driver était vraiment... après son accrochage rentrer, dans les coup, S. Buzzer va rentrer au stand, il va laisser le champ libre pour Ganelon, Example, la bataille. La est-ce bataille fait rage Ganelon... entre les deux. Est-ce Oula, que Ganelon aura cette vitesse pour rattraper? Non, je pense pas, mais... Non, il va rester derrière. Non, et il c'est derrière, surtout Example, aussi Example qui a commencé à utiliser son ERS. Ah, enfin, c'est bien. Et Driver a fait une super opération hein, avec son relais sur les jaunes, il ressort 5ème. Eh oui, parce que s'il ne s'était pas battu derrière, il serait ressorti devant. Ouais. Ils ont perdu du temps en bataille et Driver maintenant qui donc peut aller chercher le podium, ça va être compliqué. Le meilleur tour, c'est sûr. Après, un point bonus, c'est toujours ça. Et Lynn, c'est 12ème, hein, il est
pas si loin des points que ça. Hein. Oui. Il a quand même réussi, même si Bowser est derrière avec des pneus neufs. Mais Solly Cortez va aussi devoir s'arrêter. Je suis très étonné du rythme de Bowser qui était dans le top 5 au début de la course et qui a chuté totalement en performance. Ouais. Et le pauvre Famas, c'est une catastrophe et les deux alphas, n'en parlons pas. La course compliquée dans tous les cas pour Michelito Molinaro. Michelito, se faire accrocher au premier virage. Se faire accrocher au premier virage, c'est jamais facile. Provençal qui nous dit vous pouvez mettre les écarts. Bah, quand oui, il fonctionne. Bah, je les ai remis là et ils fonctionnent. Parce que ça chance. Fonctionne pas tout le temps. Donc bon. On a Buzzer avec des pneus rouges tout frais qui s'est débarrassé de Lins hein, juste avant le stadium. Ouh, Solly Cortez au stand, ça c'est bon pour Béchoumarer qui remonte dans les points, c'est bon pour dans Bowser aussi. Ouais. Et regardez la stratégie d'Hydrix qui est toujours la même, il économise le RS. Ouais, avec Snake toujours juste derrière lui, à voir si Snake est capable de faire la même chose et non. Snake 16% de RS. C'est pas le circuit où c'est le plus compliqué d'économiser, mais pas le plus facile non plus, parce qu'il y a quand même la grande ligne droite qui bouffe. Oui. Ouais, sur et la grande ligne droite, tu vas utiliser 50% de RS, driver qui se débarrasse de Kicks à l'entrée du stadium. Et ben forcément avec ses pneus rouges et les pneus mous. Et il peut-être aller chercher Ramalouki qui est à 10 secondes devant, avec 8 tours à faire. C'est possible. Un meilleur tour en une 16-366. Ça s'écarte devant. Et Michelito qui a laissé passer Tatash, enfin surtout Driver et Kicks. Ah, ça y est, Exemple qui se débarrasse enfin de Ganelon. Ah, enfin, c'est passé pour le pilote As. Le dépassement du pilote As, Exemple, sur les pneus jaunes. Elles ont besoin de points, là c'est une question de points chez As. Là, on a un peu de budget pour la saison prochaine. Magnifique dépassement hein, à la fin de la ligne droite. On n'a rien vu, mais c'était beau quand même. Oui, c'était beau. Ah oui. Snake dans la zone DRS. Yoko dans les stands alors qu'il était en hard avec quelques tours du coup. Et ça refait gagner une place à Linz. Et regardez Linz. Et eh ben il est qu'à un point, à un il point. Il est 11ème. 11ème, mais points. Devant, ben, plus personne va s'arrêter, donc il va falloir aller les chercher. Faut aller la chercher et devant ces Buzzer avec des pneus rouges. À mon avis, ça va être compliqué, sachant qu'en plus, il vient de se faire dépasser à peine un tour et demi par Buzzer lui-même. Donc, et TJ a l'air content matin. Pour les As, en tout cas. Oui, enfin. Attends, la course n'est pas finie. Il reste encore. La course n'est pas finie. Il reste encore 7 tours, tout peut arriver. Pas terminé, oui, il peut y avoir une safety car dans les 3 derniers tours, ça fait, on l'a eu là. Il va peut-être être un petit peu loin pour le dépassement, Snake qui se rapproche d'Hydrix, j'oublie pas la bataille, vous en faites pas. Non, vous n'oubliez pas, mais ce que je vois c'est que Hydrix n'oublie pas non plus son économie, et qu'il a les armes pour se défendre, et en cas d'attaque. Il reste devant, et c'est surtout que ça profite à Ramalouki qui est plus qu'à 2 secondes. Ouais. Et Driver revient également, à 8 secondes 6, mais Driver, peut espérer revenir. Driver, au bout de 4-5 tours, les pneus vont déjà surchauffer. Oui. Ouh là, d'ailleurs, c'est un petit peu en glisse là, sur le vibreur dans le secteur 2. Regardez Snake, donc là, il aura le DRS qui sert pas à grand chose, mais enfin, oui, ça va quand même le rapprocher. Mais juste après, il y a le stadium, un secteur sinueux, donc du coup, il va rester à 3-4 dixièmes dans tous les cas à la sortie. Ce qui est bien, c'est qu'il peut analyser voilà, les virages pour essayer de mieux ressortir. Bah il peut l'analyser, oui, c'est sûr. Même si c'est qu'il est derrière. Ok, oui, non, mais il a reperdu 3 dixièmes dans le stadium, vous voyez, c'est pas évident comme secteur ce stadium, et il repart, mais là, Hydrix devrait utiliser le mode 3. Et allez, Hydrix, c'est surtout le mode que 3. Snake, du coup, il a plus du tout de RS à ce niveau-là. Et il met pas le mode 3, ah si, il le met, au dernier moment, il le met. Et non, c'est trop tard, ça passe quand même pour Snake. Mais c'est trop tard, qu'est-ce qu'il a fait le pilote Renault? Il a ben complètement oui, mais c'est dommage. Oublié. Est-ce qu'il va essayer de le redépasser tout de suite? Oula, Snake qui a vu super la caméra avant. On apprécie, merci Codemaster. Je ne sais pas, moi je suis resté en caméra embarquée, ça m'a fonctionné. Oui, mais moi j'avais la caméra derrière Hydrix. Pas grave. Et Béchoumarer qui a passé Schumacher et qui récupère un point, enfin deux points.
Et Ramaloki qui a repris 2 dixièmes hein, du coup sur le duo de tête. Aydrix, faut vraiment qu'il y aille. Aydrix, faut qu'il reste collé parce que c'est pas normal d'avoir autant de RS et de pas s'en servir. Je suis désolé. Je défends le RS ce soir. Désolé. Même si je n'aime pas beaucoup ce système. Même que le système du Kers d'ailleurs, mais. Du DRS, pardon. Mais. Allez, hop, hop, hop. Ah, 6 dixièmes, ça ressort un petit peu. Il ressort au même niveau mais que c'est Snake surtout dans que Snake a pas du tout de RS. Et ouais, donc faut y aller. Mais faut y aller. Il va y aller, c'est sûr. Et là, il est en mode 3. Il se décale et pas. Voilà. Il se décale. Et ça repasse. Ça repasse. Et Snake qui freine tard, forcément, ils ont tout un petit peu. Oh, c'était assez bien joué de Snake qui a retardé son freinage le plus possible. Attention, est-ce qu'Aydrix va pouvoir recroiser? Allez, faut prendre la terre. Aydrix en compte DRS, hein, il faut y aller. Non, pas il essaie de passer dans l'herbe. Ah, quoi que c'est pas mal. Coup, Snake qui a relâché très très tôt, du coup. C'était pas mal comme stratégie parce qu'il aurait été à l'intérieur pour le virage d'après. Qui était à droite. Et maintenant, il se retrouve derrière. Et maintenant dans Snake se retrouve derrière, mais et Snake Ramaloki en... est du coup bien revenu à une seconde. Ouais. Mais Snake allez, dans les virages, dans les courbes, dans les virages lents, il est plus rapide qu'Aydrix. Donc Snake, il faut qu'il économise son ERS, mais il peut pas. Pour l'instant, c'est très compliqué, il en a déjà utilisé pas mal. Bah, je pense qu'il a sa stratégie, et puis il s'y tient, il économise pas, il utilise le ERS de façon constante sur tout le tour et pour l'instant ça paye hein, puisqu'il est toujours à la bataille. Ah et voilà encore le dernier virage qui pêche, il est très très mal ressorti, il est quasiment seconde. Ah ben ça y est, il va sortir du DRS quasiment, non c'est bon. Ramaloki est revenu, la bataille à 2 va finir avec une bataille à 3. Alors j'ai une petite confidence, Ramaloki a beaucoup d'appui, donc en ligne droite il est pas très très rapide. Oui il est 311 km/h en ligne droite. Mais il avait dévoilé son appui avant le Grand Prix, c'est tombé dans nos micros. Oui, mais bon, après s'il arrive dans la zone de DRS, au Gadelon, bien Gadelon. Ressortir, oui, il faut, dans tous les cas, il faudra qu'il les dépasse au stadium. Gadelon oh, excusez-moi, entre les deux, entre exemple et Gadelon. J'ai cru qu'un bout allait voler, mais finalement... Non, mais il a encore le DRS, Gadelon, il retourne, il s'est décalé un petit peu dans l'avant. Exemple qui se décale. Oui, il s'est décalé un petit peu, là, Esteban Gutiérrez, il va y aller peut-être, attention. Par l'extérieur. Ça va passer. Il lâche rien. Oui, allez, oh, il enroule bien. Exemple qui reste devant. Ouais, Exemple qui a bien réaccéléré. Ouais. Oh là là, ça se... La meilleure traction à la sortie du virage à l'extérieur. Et devant, on repart devant. Restez devant. Et Ramaloki qui est bien en contact à la sortie du stadium, du coup, non, il a perdu un petit peu de temps. Ça n'en finit plus. Le problème de Ramaloki, il faut vraiment qu'il soit proche parce que c'est Oui, c'est sûr. S'il a plus c'est pas avec sa vitesse de pointe que. Non, mais par contre, Snake n'a pas du tout de RS là. Non, comme d'habitude, mais c'est pas très grave. Donc Aydrix l'utilise pour se défendre et regardez, du coup, il rattrape un petit peu moins vite. Oui. Aydrix qui défend milieu de piste. Il freine très tard, il peut y aller, peut-être par l'extérieur, il va y aller. Et attention ici, à ne pas se toucher, à ne pas s'accrocher. Ouf. Oh, c'est joli. Oh là là, joli. Il reste devant Aydrix sur cette bataille magnifique. Oh, et Ramaloki est du coup dans les échappements. Il va revenir. Si on à 3 tours de l'arrivée. Et Gadelon Example, ça continue à la fin de la ligne. Oh, il y a un bout qui est parti. J'ai vu un bout partir. Chez qui? Eh ben, je ne sais pas. Du coup, c'est entre Gadelon Example, j'ai vu un bout partir. On sait pas. Et je ne sais pas. Oh, putain, ça me met un. Ah, il a dit putain. Quelle excitation! Ah ouais, non mais oui, si on pouvait avoir des courses comme ça tous les week-ends sans VSC. Ouais. Lynn s'est de nouveau arrêté, il est 12ème, il a remis des roues certainement pour faire meilleur tour. Oui, puisqu'il a deux tours, ouais, exact. Et Bowser qui va peut-être pouvoir sauver un point. Et regardez ce coup-ci, Ramaloki est plus proche de Snake. Et Ramaloki par contre a de l'RS lui. Donc ça c'est passionnant. On va voir ce que ça va donner au bout de la ligne droite. En plus Aydrix est beaucoup mieux ressorti que Snake. Hein. Et bah apparemment c'est là qui a perdu l'aileron, donc c'est Example. Attention. On se retrouve encore ici avec Oula oui effectivement hein, Ramaloki au bout de la ligne droite, 320 km/h. 323 alors que Snake prend 330. Ça fait 7 km/h qui vont compter hein, du coup au bout de la ligne droite.
Il faut qu'il soit collé. Il faut qu'il soit collé s'il veut une chance de dépassement, Rama, ou alors une erreur devant, ce qui est possible. Et Driver est à 3 secondes. Il est pas loin, mais les pneus commencent un peu à chauffer. Attention. Et les Renault, ce serait formidable pour Renault là. 1 et 3. Les Renault pour l'instant sur le podium, 1 et 3. Pour l'instant, hein, parce que Snake n'a pas dit son dernier mot, il va peut-être aller bouffer cette première place pour Hendrix. Ça va se jouer dans le dernier tour. Oui, Driver, on ne sait jamais. Hein, s'ils perdent un petit peu de temps à se batailler les trois devant, Driver peut faire, on le connaît, hein, l'opportuniste, shipper la place sur le podium. Coup de bigot. Il a bloqué un petit peu ses pneus Snake dans le deuxième virage du stadium. Il faut mieux ressortir. Je rappelle quand même que Ramaloki a un avantage de 2 tours sur les pneus de moins. Oui. Ce qui l'aide hein, dans les courbes et dans le secteur lent. Mais c'est vrai qu'en ligne droite, avec son appui, ouais, ça ne l'aide pas droite, du tout malheureusement. En ligne droite, ça va être compliqué. Beaucoup de difficultés. Par contre, il va y aller. Non, il va derrière. Il va attendre le dernier. Il va attendre le dernier. J'excite un petit peu le la dernière ligne droite. Oui. Je vois ça. Mais je reste les pieds sur terre. Hein, oui. Driver. Le téléma. À 2 secondes, il va finir au pied du podium. Hein. Driver qui est pas là, mais Driver qui a besoin de points hein, par rapport à Lynn, hein, de toute façon. Et même par rapport à Beschumacher, hein, qui va pas embarquer énormément. Bah oui, pour l'instant, 8ème place hein, pour Beschumacher. À 3 secondes, Heidrick, ça va être le cas. Devrait remonter. On a Buzzer qui revient légèrement sur Schumacher, et à mon avis. Ça va passer, soit c'est maintenant, soit c'est au tour suivant. Buzzer, ça passe. Snake qui est mais bien c'est quand de même. Tout donner. C'est le moment de tout donner. Entre, du coup, à mon avis, pour Ramaloki, ça va être donc très très compliqué. Hein, cette VMAX qui va être pénalisante. Et Driver qui est là. Driver qui est là. Oh, Driver qui peut aller chercher Driver la place. Driver qui hein. est là. Et ça peut se finir en 4-2 front à la fin de ce Grand Prix. Non, parce que c'est le dernier tour. Ils ont c'est le maintenant RS, ou ils jamais. Ont le RS. C'est maintenant ou jamais pour Snake. Et Hendrick qui défend bien sa position. Oui. Il s'est mis sur le côté. Et bon, Driver n'a plus de RS. Et est-ce que Snake peut l'avoir au deuxième DRS? Ah, il est mal ressorti encore. DRS, ça patine. Ça patine, Driver a le... Non, Driver a toujours pas le DRS. Driver est trop loin, il est à 2 secondes de Ramaloki, il va finir au pied du podium. Mais il faut qu'il sécurise ses 4e places, c'est bien. Eh mais j'ai l'impression que Limjam va faire l'affaire de Hendrix, puisque Hendrix peut-être dans le dernier secteur aura le DRS. Ah, c'est possible, il est peut-être un petit peu loin quand même. Quel retardataire en effet devant, là. Oui, il va peut-être le rattraper dans les S. Je sais pas où il a la zone de détection du DRS pour cette troisième zone. Je ne sais pas du tout. Il l'a pas. Et de toute façon, ça va pas changer grand chose. Attention, parce qu'il y a Ramaloki qui va être au cul de Snake. Faut qu'il tente maintenant. Et non. Maintenant et ou ça dans passera le pas. Dernier, peut-être ici. Non, il tentera pas non plus. Alors que les derniers freinages et ça va être Hendrix. Et les confettis mexicains qui volent. Et Hendrix va la victoire d'Hendrix qui va finir. Magnifique victoire d'Hendrix hein, qui aura contrôlé jusqu'au bout devant Snake, devant Ramaloki, avec Driver 4ème. C'est un miracle quand même, et c'est pas passé loin derrière. Regardez Ramaloki, 4 dixièmes, 5 dixièmes. Oui. Kick 5ème, c'est dommage pour Kick, mais bon, c'est. Et Kick n'était pas dedans hein, finalement, il n'avait pas le rythme. Pas le rythme des meilleurs, il finit à 10 secondes. 15 Quelle secondes, course hein. de Gadelon également. Également. Oh, derrière, ça se passe dans le dernier virage. Il y a Buzzer qui va y aller sur Schumacher dans le stadium pour les 2 points de l'AlphaTauri. Schumacher, il a tiré, il a tapé le mur. Et donc, oh, c'est pas possible. Il est resté derrière Buzzer et Linz qui a tenté sur celui Cortef également à la fin. Oh là 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 là. Oh, ce dernier stadium entre Schumacher et Buzzer, exceptionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Linz, pareil sur celui Cortef. Il peut pas y aller. Il peut pas y aller. Il va finir 12ème. 12ème et 0 points pour le leader. Ça, c'est le coup de massue de la soirée. Oui. Et Famas 14ème. Très déçu également. Ouais, c'est dommage hein, pour Linz. Hein, parce qu'il a beaucoup de points d'avance au championnat. Il reste 4 courses. Il faut assurer les points hein, pour être sacré champion. Ça a été et on termine compliqué. Avec ah non, c'est Famas du coup qui. Franchit la ligne 14ème. Ouais,
Ah, driver, pilote du jour, selon notre ami Codemaster. Selon Codemaster, et bien sûr, on changera ça. Oui. Ou pas, hein, Driver a fait une très belle remontée. On est méchant. Oui, on est très méchant. On est quand même très méchant. Oh là, il y a quand même des pénalités, hein. Il y a quand même de la pénalité, Et les Renault qui font du coup un E3. Très beau podium. En effet. Est-ce que vous pouvez prendre le classement? Oui, vous l'avez. Vous voulez que je rebascule sur le classement? Non. Le résultat, vous faites un petit screen, est-ce que vous voulez? Ah oui, mais bien sûr, mais vous en faites pas. Ce sera screené. Et mon cher Ria, Linz a piqué le point à Driver à la fin. Donc Linz marque un point. Pourquoi? Ah oui, en une 16. Ah oui! Le meilleur tour s'est passé à rien du tout. Linz marque un point. Félicitations. Il y a de la peine. Il y a de la peine hein, pour Buzzer. Ah, il y a plein de pénalités. Et en fait, regardez. Un champion du monde de la peine, Buzzer. Oui, mais Buzzer, donc ça n'aurait servi à rien qu'il termine devant Schumacher. Bien qu'il roule à 1 seconde 3 de mieux au tour, mais ça, il aurait eu plein de pénalités et il serait repassé derrière. Oui, on a des pénalités pour avertissement répété. Pour ouais. Buzzer. Exact. Schumacher également. Solillon, il y a eu du virage coupé. Hein. Il y a eu du cut. J'ai une demande d'interview. C'était Driver aussi. De notre ami Driver qui est toujours là pour passer... Pour être interviewé. Oui. Je peux interviewer Driver l'unijambiste. Allez, montez-nous Driver. Voilà. Je monte Driver. Préparez vos questions. je sais que vous adorez ça, interviewer Driver l'unijambiste. Bonsoir l'unijambiste. Bonjour. Ah, j'en ai eu des noms ce soir hein. Ah oui, des beaux noms. Alors qu'il y a Ria qui essaye de foutre le classement en plein milieu. Mais oui. Du truc. c'est à cause du onboard là qui fonctionne et qui est dans le bon sens. C'est pour ça. Je pense qu'on n'est pas arrivé. Mais regardez-moi ce classement, parce que Schumacher met 4 points. Maverick n'est pas là, est en déplacement professionnel. Bah, les trois premiers ont pas marqué beaucoup de points et c'est Driver finalement ce soir qui fait la meilleure opération. Oui, et Kix pas mal non plus, Snake aussi. Snake va passer Driver au championnat. Kix, mon démon, oui. Eh ouais, Snake va passer devant Driver au championnat. Pas pour longtemps. Et Yoko Famas derrière, c'est très compliqué. Yoko marque pas de points, non? Famas non plus. Ah, c'est très serré, mais ça va remonter derrière. Il y a Ganelong qui va enfin marquer ses premiers points. Example aussi, c'est bien. Ça va resserrer un petit peu le milieu de tableau. Je rappelle que les 8 premiers montent en Liga. Driver, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va mieux. Début de course chaotique. Pour moi? Oui. Non, en vrai, non. J'ai fait ma stratégie. Je voulais faire jaune, rouge. Et là, le jeu me dérouge, donc je pense que j'ai dû oublier de valider la stratégie. Du coup, je pars en rouge. Bon, mais départ, je gagne 2-3. Enfin, je dépasse Mikito par la droite. Je remonte. Et là, je freine très fort parce que je sais très bien qu'on a des pilotes qui n'allaient pas freiner. Donc, du coup, je reste un peu derrière. Je roule tranquillement. Quoi. Je remonte tranquillement. Et puis là, j'arrive à la hauteur de la 4e place. Et avant d'arriver dans les courbes. Mon setup était vraiment à chier. Dans les courbes, je perdais tout, c'était horrible. Et arrivé à l'entrée des courbes, je touche les fesses de Kix. Et là, je pars en spin. Du coup, je me dis, bon, bah zut. Alors, je pars, j'étais 9e. Après, je fais une petite remontée. Et puis, je mets des jaunes. Et en mettant les jaunes, j'ai été premier. Hein. Je suis trop fort. Ouais. Mais du coup, je mettais des jaunes. Et puis là, je m'étais dit, bon, ben top 3 intouchable. Parce qu'ils étaient déjà derrière mon cul à une seconde. Et j'étais avec des jaunes usés. Et je me dis, pourquoi pas la 4e place avec qui que ça l'a joué là. Et puis après, il y a mon coéquipier Lins qui écoutait de live et a dit, mec, rentre. C'est ce qu'ils ont dit. Du coup, je suis rentré. Et après, j'ai fait une petite remontée sur Kix, j'étais à 3 secondes 9 début du tour, fin du tour, j'étais à 2 secondes 9 de lui. Et je me suis dit, pourquoi pas aller chercher les 13 secondes devant moi. Et il me manquait finalement, peut-être je dirais 3 tours pour que je puisse dépasser tout le monde et mettre 3 secondes parce que j'avais 3 secondes de pénal. Mais j'étais pas loin des 6 secondes aussi de pénal parce que j'avais déjà eu 2 avertissements en plus.
Et petit truc qui est bien, c'est que j'avais mis 4 en aileron avant de repartir des stands, et ça m'a permis d'être un peu plus stable dans les courbes, mais plus compliqué après pour au niveau de la vitesse de pointe. Mais bon, c'est vrai que c'était quand même bizarre d'être quatrième. Ça faisait longtemps que j'ai pas marqué de points. Mais oui, ça faisait longtemps que t'avais pas marqué de gros points, et surtout, t'as fait une course solide malgré ce petit spin que t'as pu faire dans ton premier relais avec tes pneus rouges. Et c'est dommage, hein, du coup. Hein. En plus, j'ai fait fin de relais, j'avais les pneus, ils étaient morts dans les courbes, les pneus, c'était la patinette. C'était comme aujourd'hui avec les pilotes, les vrais pilotes, hein, avec l'asphalte, là, c'était vraiment de la patinette. Hein. Ouais. J'ai fait du patin à glace. Et c'est dommage d'avoir fait cette petite erreur, sinon je pense que t'aurais pu être à la lutte pour le top 3. Ouais. Ouais, ah ben le spin au final t'as fait perdre un petit peu de temps, hein. Du coup, oui, je pense que qui t'a manqué à la fin pour. Je pense que sans le spin j'aurais peut-être pu ressortir ressortir 8 secondes des deux derrière les 3 premiers, ouais, peut-être, ouais. Mais bon. Avec des siens, on referait le monde. Hein. Oui, c'est mais sûr. Après, t'as perdu beaucoup de temps après à la lutte avec Ganelon, par exemple. T'as perdu un petit peu. En plus. Oui. Après, le problème, c'est que j'ai très très mal géré le RS et l'essence. J'étais toujours en standard et j'essayais de gérer au maximum, justement, ces trucs-là. Mais c'était quand même compliqué. Donc après, bon, mon P4, ça me satisfait. Hein. Concrètement, je pensais pas faire autant aussi bien cette course-là. Oui, ouais, c'est bien que tu reprennes un petit peu confiance en toi et d'avoir marqué des gros points. Ça, je pense que ça va te remotiver pour la fin de saison et qu'on puisse le revoir pour la lutte au titre. Ah ben là, clairement, il faudrait malheureusement un miracle. Une autre erreur de Lins et que je puisse enfin faire des qualifications. Oui, mais après, derrière, bon. On a vu que Linz n'était pas infaillible, du coup, Linz, bah, apparemment, il y a... voilà. De ce que j'ai entendu, apparemment, c'était une touchette avec Famas, après, je sais pas, mais bon, en tout cas, oui, c'est vrai que le problème, c'est qu'il est parti en tête avec eux, et puis, bon, après, sans safety car, remonter sur le Mexique, c'est un peu un no man's land, hein, donc c'est compliqué. Mais bon, il a réussi à remonter, et puis à me shipper le meilleur tour, mais ça va. Messieurs, on a du monde. Ouais, Famas. Alors, on avance. Ok, bon, ben j'y vais, moi. Merci beaucoup d'arriver. Bien, merci. Au revoir, bisous. Bonne et puis à dimanche. Ah oui. Oui, bonne soirée, à dimanche. À dimanche. Ouais. Alors, on amène monsieur Famas. Bon, il peut pas parler. Ah oui, c'est vrai. Attendez. Il est baïonné, le pauvre. Bonjour. Bonsoir. Et bonsoir, monsieur Famas. C'est quoi ces mécanos qui savent pas régler les volants, là? Ouais, ça. J'avais plus de direction, ni de retour de force, j'en ai mon volant dans le vide. Ah bah c'est comme chez As, hein, ils ont pas assez de puissance pour mettre le RS. Ouais, il manque un bouton sur le volant de la As, et du coup il manque le retour de force sur les volants de chez Alpha. Chez Alpha, voilà. Ah, il y a plus de moyens, mais c'est la F1 ouais. À l'économie cette année, hein, donc il faut... Ouais. Non mais je sais pas si on a vu, je me suis mis dans l'herbe là au S au premier parce que c'était impossible. Attends. Oui, c'est vrai, je t'ai vu sur le côté, je me suis dit bon. Et du coup... Qu'est-ce qui s'est passé sinon, parce que moi j'ai pas vu la course en fait. qu'est-ce qui s'est passé? Bah pas grand chose. Faudra regarder les replays. Oui, mais avec cette histoire de... Il s'est passé beaucoup de choses. Avec cette histoire de Linz, alors il y a eu une touchette. Non, mais c'est pas moi en fait. Disait... C'est mon collègue. Ah d'accord, ah c'est Buzzer. Ça m'étonnait que j'ai pu toucher quelqu'un, sachant que le premier tour, j'ai suis resté sur le côté, puis après j'étais tout seul tout le long, puisque j'ai fait un arrêt au stand prolongé pour régler le problème. Les mécaniciens ont mis peut-être 2 minutes à renvoyer la voiture. Parce que le jeu ne se relançait pas, j'ai dû faire le gestionnaire de tâches. Oh, formidable! Donc voilà, tout ce qui se passe très très bien. On a DJ qui nous fait un commentaire très drôle. Oui, très pertinent. Famas vient en interview pour qu'on lui raconte la course. Oui! Bah oui! Mon seul objectif à la fin c'était de ne pas prendre un tour. Il y en a qui s'en sont pris rapidement. Hein. Tu finis 14e et dans le tour du leader. Ton objectif est rempli. Pas d'abandon.
Comme et je disais à Cracheux la dernière fois, il faudra élire un dossard rouge le plus combatif, celui qui abandonne jamais. Et celui qui abandonne jamais. Et pour l'instant, eh bien, t'es bien le seul qui n'a pas abandonné à part Yoko, mais bon, Yoko n'était pas là une course. Et Lynx non plus n'a pas abandonné. Il y en a deux qui ne doivent pas avoir jamais abandonné, non? Vous êtes trois, que je compte pas, puisque Yoko était absent. Bah oui, mais... D'accord, autrement, tout le monde a un DNF. Et Hydrix aussi. Après, il y en a qui doivent avoir des absences et pas des DNF. Bah, il n'y a que Yoko qui a eu l'absence, c'est pas de DNF. Tous les autres ont moins de DNF. Ouais. Ah, Hydrix, moi, je vais lancer ça, le concours de... Mais Schumacher. Sans DNF. Oui. Eh ben, on verra à la fin. Alors. Non, mais c'est dommage quand on voit le début de saison qu'on a fait avec AlphaTauri et comment ça continue maintenant. Ouais. C'est vrai que ça partait bien. Ah, il y a Valmor qui dit wesh. Ah, salut Valmor. Salut Valmor. Non, mais voilà, c'était pour faire une petite explication sur ce piètre résultat. Bah ouais, Buzzer marque un point, c'est toujours ça. Ouais, s'il n'y a pas enquête de la FIA sur son contact avec Lynn, c'est... Ah, exact. Bon, après, j'ai vu le replay, c'est pas... Mais bon, ça sera la FIA qui jugera. Oh, et on a Valmor qui s'est resub. Merci, Valmor, vous aurez un bonbon. Merci, Valou. Vous êtes beau, je venais juste me réabo sur bon, le Bon, ben live. Voilà. Je vais vous laisser prendre quelqu'un d'autre ou finir ce beau live que je vais aller regarder plus tard. Ah, bah, c'est pour prendre connaissance de la course, un peu. Eh ben, merci en tout cas, et puis bonne chance pour la suite. Merci à tous les deux. Alors, il nous reste Rama, je crois. Oui. Alors, notre ami Rama. Le dernier. Top. Et j'ai mis Panda, je me suis trompé. Il s'est trompé de personne. Bonsoir, Panda. Et bonsoir, Rama. Panda. Enchanté. Enchanté, ça va? Oui, très bien, belle course. Vous êtes prêts pour dimanche? Oui. Eh bien, c'est bien, je vous remets en bas. Au revoir. Au revoir. Ah. On est bon ici, vous avez vu. On invite tout le monde, c'est formidable. Ah, il est on là. A des intervenants spéciaux. Il est là. Et lui, il peut parler. Alors, vous voyez, c'est bizarre. Eh oui, Ramalouki, bonsoir. Pourquoi il peut parler? Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Ah, bah, c'est une première course réussie? Bah, je pense. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé, mais fait plaisir. Oui, 4ème place en qualif, 3ème place au final à l'arrivée. Donc, très bonne perdu. Course pour toi. C'est 2ème place et 3ème. Bah, c'est ça t'es parti Non, 2ème place. Ah, t'es parti 2ème je... Ah oui, d'accord, okay. Ouais, je pensais que c'était 4. Non, c'était Hydrix qui était 4. Autant oui, voilà, il est parti 2ème entre Kix et Schumacher qui ont eu moins de chance que lui. Exact. Et puis, mon coéquipier m'a doublé dès les deux premiers virages, j'ai laissé un peu de place. Et puis après, c'était fini. C'était très loin et tout le monde m'a doublé au fur et à mesure. Et c'est sur le réglage au final en aérodynamisme où tu perdais 7 km/h au bout de la ligne droite et c'est ça qui, au final, c'est a finalisé pour la course. Ouais, dommage. Mais l'avantage, c'est que moi, j'étais plus stable au niveau du virage, donc j'étais un peu plus safe de ce côté-là. C'est vrai que dans la ligne droite, on s'est dit, ah là là, faut vraiment qu'il ressorte collé aux voitures de devant pour dépasser, car ouais, la vitesse de pointe faisait un peu défaut, mais c'est pas très grave. Tu te rapprochais quand même pas mal dans les secteurs lents. Ouais, comme donc, le secteur 2. Mais c'était en tout cas c'était très intéressant de te voir à l'œuvre, et puis ça fait des gros points pour l'équipe. Pour laquelle, pour l'instant, tu remplaces, mais... Bah, c'est très bien, c'est Renault, donc c'est très bien. Oui, en tout cas, bravo. Bah, merci. Première course. Des gros points pour Renault, et qui va certainement te remercier pour ce magnifique GP que tu as pu faire. Bah, j'attends le chèque. Tout de suite. Non, on verra si... Bah, on verra s'il y a une place pour le baquet ou pas du tout. Ah ben, oui, nous verrons. Nous verrons, tout dépend. Bon, en tout cas, c'était une très belle course pour tout le monde. Hein. Oui. C'était très propre et ça, je suis content. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de course sans une voiture de sécurité au premier tour. Oui, bah nous aussi. Ça fait longtemps. C'est vrai que là, on était même étonné. Mais c'est vrai que ça a soulevé que le départ et le premier virage se sont plutôt pas trop mal passé. Il y a eu un petit contact. Ouais, malgré les deux, il y a eu deux trois touchettes, mais il n'y a pas eu de gros carton. Et il n'y a eu aucun abandon, je crois.
Non, effectivement, tout le monde a personne n'a abandonné, c'est bien, vous allez être content pour faire le résultat. Oui, bah oui, ça va être plus long que d'habitude. Mais c'est un peu plus long, un peu plus long. Et bien voilà. Ah, merci beaucoup. Et bien voilà, mes enfants, merci et bonne chance pour ta prochaine course. Bah, je vous remercie. J'espère être là, mais je pense que je serai là. Bah oui, bien, pas de problème. Allez, bon courage, je te remets en dessous. Bah merci, salut. Bye bye. Et ben voilà. Oh mais quelle course. On va aller se coucher. On va aller se coucher parce que j'ai transpiré. En plus il fait chaud ici dans cette cabine. Avec vous mon cher Crachot. Ouais, nous sommes très très proches dans cette cabine. Ouais. On a les cuisses qui se touchent. On est en ton. Ouais, y a, malheureusement, il n'y a pas de distanciation là. Ah non, là, c'est pas possible. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas malades et on vous retrouvera très vite pour de nouvelles aventures en Ligue B. En Ligue B dès dimanche prochain. Si on reste en Ligue 1, ce qui n'est pas gagné non plus. Ah oui. Oh, c'est loin d'être gagné. En tout cas, notre prochain rendez-vous, ce sera dès dimanche avec la Ligue 1. Pour le même GP du Mexique. Oui. Et après, la semaine prochaine, dimanche 22, c'est aux Pays-Bas. Que la Ligue B, le nouveau Grand Prix de Zandvoort. Ça va faire plaisir aux spectateurs, je pense. Oui, ça va être un GP acharné, je pense. Ça va être très sympathique sur une piste très étroite. Exact. On va voir ce que ça va donner. Et bien, voilà. Et bien, sur ce... Sur ce, vous pouvez remercier nos spectateurs et merci et partir à au lit. Tous de nous avoir suivis. On va tous aller se boire une tisane et filer au lit. Ouais. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à vous également. Merci, monsieur Catrachot. Bye bye. Bye.